bien. Si tout le monde peut avancer, on propose de faire, je parle un cercle, c'est le plus simple, et à partir de là, de voir un peu comment on peut construire. Alors je vous l'ai dit, déjà sur les chiffres, donc on était 1500 aujourd'hui à Digne, ce qui est vraiment, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de se voir nombreux, même si c'est moins que la dernière fois. Ce nombre, pendant les vacances scolaires et à ce moment après la loi beauté, montre la mobilisation et la détermination qu'on peut avoir ensemble. Donc c'est avec mes collègues des autres organisations syndicales, puisque c'est quelque chose qui a été aussi décidé de façon unitaire, et d'envisager donc les suites. Alors les suites, celles qu'on a, mais il peut y en avoir d'autres dans le temps et plus rapprochées. Donc comme je vous le disais cet après-midi, la réunion à Manosque sans les associations. Et déjà ce qu'on a prévu, c'est vendredi prochain, il y a Rachida Dati qui vient manger à Sisteron. Donc, sur le site du député, vous pouvez y aller, c'est d'un euro, ouais, mais bon, je sais pas. Nous, on a proposé justement de pouvoir peut-être y aller, en faisant un peu de bruit, un peu de musique, etc. Et de nous inviter justement dans ce débat-là. Et il y a aussi samedi prochain à préparer ensemble. Donc voilà. Alors c'est vrai que plus on y est, plus on amène des idées, mieux, c'est ce qu'on pense, mieux ce sera. Et plus on sera certainement pertinent par rapport aux choix à faire sur les mobilisations à venir.